Allez. On continue l'aventure de jeu. Oh. C'est quoi ça? Putain. Une sorte de momie araignée. On dirait bien. Cet endroit est flippant. C'est pas flippant bizarre, de toute façon on lui défend sa gueule. Eh oui! Pas tant niaisé. Qui est vous? Je m'appelle... Moi, Sylvester. Le bricoleur, je fabrique quelque chose. Je fabrique quelque chose, oh mon dieu. Me retrouver au marché vous apporte l'arme de gardien, moi, fabriquer belles choses. D'accord. Oui, c'est bien. Gardien vaincu. Mandibule de maman. Butin des gobelins. Cette clé aurait le pouvoir d'ouvrir les portes. La clé de la prison. Oh tiens, elle est là la clé de la prison. Quittez le danger.
Ah. C'est ouvert avant que j'arrive. Voix du prisonnier. Le portail est désormais accessible. Niveau 12. Butin des gobelins. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, c'est un... On peut y aller. Une épée pyromane. Ok. C'est verrouillé. Il y a un rang de forteresse, un chapeau. Dans la zone. J'ai appuyé sur quelque chose que j'avais peut-être pas dû de suite.
Et à toi. C'est facile pour l'instant. Faut pas lâcher, allez, on continue. Allez. Donc terminé. Excellent. Astra en métal. Le père de l'assassin.
C'est vous qui gardez la rune de puissance. Dans ce cas, nous la donnez, ou vous allez pleurer. Je défends la pierre. Je suis le meilleur assassin de Maître Shinjo. C'est moi que vous allez affronter, et je vous infligerai le châtiment que vous méritez. La pierre de puissance ? Rune de puissance, je crois qu'il... Il veut parler d'une mort rapide. Shinjo, je vais m'occuper de ces enfants, en votre nom. Allez, combat. Ouais, j'ai pas voulu parce que je m'avais mal enligné. Les enfants vont être prêts pour le donjon. Yes! Oh non, il est encore plein! Thank you.
Yes! Je te l'ai achevé. Donc ça, une rune de puissance, jolie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rapporte, comme les putains de héros qu'on est. Ça me va. Trop facile. D'après le maire, ça lui servira à envoyer plus de puissance vers le portail lunaire. Ce sont des rares et précieuses. Quel dommage que nous devions les utiliser comme de simples piles. Si grâce à elles, on arrive à sauver le professeur, alors je trouve qu'elles auraient été sacrément utiles. Ah ouais, tu marques un point, là. Absolument. Apporte cette rune de puissance au maire le plus vite possible. C'est faisable, mais long. Sans l'aide du professeur, j'ai besoin de... plus de ressources, concrètement. Toutes les ressources. Tout le contingent est concentré sur le maintien de la paix. Ou plutôt, l'éviction des voix dissidentes. Qu'est-ce que tu insinues? Je dis que ton rôle est la répression, pas la protection, contrairement à ce que tu veux croire. Je défends la pierre. Et moi, j'ai fabriqué des outils pour creuser, pour créer les maisons et nous entendre, s'étendre plus loin, plus profond et présent. À présent, je conçois ces machines qui... Si tu n'as plus la foi... Qu'arrête, Ketcha, tu construis les machines. Qui offriront à notre peuple un avenir au-delà des ténèbres et de l'amour. Oui, je sais. Et je défends la pierre, vous le savez. Je le sais. Mais il faut plus de ressources. Tu les auras, Kakan. Assure-toi que Tetcha et toutes les troupes nécessitent de se faire envoyer dans les grottes englouties. Grand protecteur, j'ai besoin de ces hommes pour... Qui est assis sur ce trône? Je défends la pierre, ce serait fait. Bien, je devrais pouvoir enfin progresser. Les terriens ont volé la rune de puissance de la prison. Pourquoi veulent-ils la rune de puissance? Est-ce qu'ils comptent briser notre production d'énergie? C'est possible. Je veux que le nombre de gardes auprès des runes de puissance soit doublé. Ils comptent certainement s'attaquer à la rune d'eau ensuite. Tâchez de les empêcher. Je défends la pierre. Ce type finira par se prendre avec son écharpe un jour ou l'autre. Je me montre très clément envers toi, mes cargos. Contrôle les trupines. Serait sage de la part de ceux qui ne pas. Ton frère et l'ennemi. Ce serait plus facile s'il n'était pas aussi stupide qu'un calvaire. Mais vous avez raison. Je vais faire un effort, je suis submergé. Nous traversons des moments difficiles. C'était rien. Ne semble pas vouloir partir.
Ils ont accès au réseau de portails et peuvent voyager et attaquer. Nous n'avons que peu d'options face à cela. J'ai bien peur qu'ils ne puissent à nos efforts. Eh bien, quelle piste qui pourrait nous aider ? Continue. Salut Mr. Flight, ça va ? Salut Mr. Flight, ça va ? Oups. Nouvel arrivage. Pour vous aider à affronter les dangers qui vous attardent, les vendeurs du marché Gobelin proposent de nouveaux équipements. Allez voir ça. Niveau suivant. Le maire va vous recevoir. Ah oui? C'est pas encore un de vos putains de bordards? Il va falloir vérifier par vous-même. Je ne vous aime pas du tout. Oh, les galopins. Avez-vous quelque chose pour moi? Ça va bien, Mr. Fly, merci. Admirez. Rune de puissance. Incroyable, incroyable. Tout ce que les humains pourraient faire avec ça, penser qu'elle... telle puissance existe bel et bien. Oh oui. Vous allez vous en servir pour envoyer plus de jus vers le portail, hein? Bien sûr, dès que vous serez parti, je relierai au réseau principal. Apportez-moi-en d'autres, comme ça nous pourrons peut-être nous en servir pour nous défendre. Défendre? Si le professeur m'a raconté est vrai... Dwart Vergorben a l'intention d'attaquer le monde de la surface. Quand le moment sera venu, nous aurons besoin de tous les atouts possibles. Vous avez mon soutien total et j'espère avoir le vôtre. Ça ne vous a jamais paru bizarre, toutes ces histoires de gobelins? Comparé aux autres secrets que j'ai dû garder pour l'ancien maire, pas vraiment, non. Monsieur Walden vous a préparé un petit colis spécial. On s'en fiche de ce qu'il contient, des calendriers, des papiers, des pinces coupantes. Vendez-les aux prêteurs aux gages pour gagner de l'argent. Bon. Merci. La mère de Walden est un brave titre. C'est lui-même qui a mis en place le programme d'asile pour gobelins. Pour garder les gobelins hors de portée de leurs autorités et des nôtres. Je vais voir. Du coup, ce soir, on devrait pouvoir descendre plus loin dans les grottes gobelins si tout marche bien comme prévu. Ça presse pas non plus. Emily, c'est justement des vies sont en jeu, là. Ouais, mais vous savez, il y a toujours le temps de respirer le parfum des fleurs. Ben non, en fait, c'est pas du tout. Oui, mais en fait, si. Non, il y a vraiment pas le temps. Oui, oui, mais si. Grâce à la rune de puissance que vous avez remise à Walden, le portail lunaire a assez d'énergie pour vous amener jusqu'aux grottes englouties. Non, si j'appuie start. On vérifiera ça tantôt. Mr. Flight, est-ce que j'appuie sur les boutons? Est-ce que ma voix a changé un peu selon toi? Ma
souris. J'ai celle-là aussi quand c'est le boss. Hey, Mr. Flight, c'est moi le boss. Ou quand c'est les acolytes. Mais oui, maître, c'est moi. Je suis là pour vous servir, la pierre. Si vous voulez revendre des vieilleries contre du fric, c'est ici. Attends, peux-tu vendre des vieilleries comme des armes? Ah. Comme ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Là, je vérifie le reste, là. Ouais. Chapitre 6, l'appel aux armes. Objectif actuel, vous avez trouvé la rune de puissance dans les grottes englouties. Avez-vous découvert les mausolées de Yalanda? Avez-vous découvert les mausolées de Yalanda? Ah, je rajoute des voix, mais c'est compliqué de trouver les bonnes voix, là. Ça se fait pas facilement. Ah, y a un nouvel endroit. Vous pouvez maintenant voyager vers les grottes englouties. Ouais, mais je veux pas aller là tout de suite. Moi. Je veux rien qu'à aller là. Parce que là, on voit qu'il y a plein de choses encore que j'ai pas pu y aller. Hein, pas faire. Alors pourquoi aller plus loin quand on a pas tout terminé? Ça nous permet de monter nos levels, etc. On va vérifier. Voyons, on décolle des chemins, toi. Voix du prisonnier. On descend. Petite catacombe. Le portail est verrouillé, mais j'ai pas la clé. Ça, je l'ai déjà ouvert. Et là-dessus, j'ai pas cliqué encore. Elle. Ah ah! Comment tu le trouves, ce jeu-là, toi, Mr. Flight? Ok. Vous avez découvert le mausolée de Yalanda. Faites la preuve de votre courage en affrontant le spectre de cette guerrière de légende. Vous remportez la victoire. Vous recevez l'une des armes de Yalanda, celle-ci, prouvant à Lundgren que vous êtes digne de ses armes. L'épée doit être un bouclier. Il est censé se passer quelque chose. Je sais pas, Yalanda devrait peut-être être... Waouh! Ah! Combat de fantômes. Ah ouais, c'est bien ça.
En passant, on arrive à terminer la liste. J'ai pas joué hier soir, là, mais je vais probablement peut-être y jouer ce soir pour le terminer. Il reste environ une heure de selon la vidéo. Donc, c'est peut-être une heure et demie pour moi, deux heures. C'est elle, la fantôme. C'est quoi ce bordel? Il y a une rune magique, là. J'essaie de ne pas trop y réfléchir. Yolanda! Voyons, voyons, voyons! Ouch. Hey, on se touche-tu ou on swing tout à côté, hein? Oh, ça, ça fait de mal, ça. Ouch. Non! Fallait que je l'achevais, puis je l'ai manqué. Ah, il va m'achever, par exemple. Tabarnak. Ah! Oh, ça c'est pas pire, ça. Arrête, arrête! Là. L'épée doit être bouclée, ceci échouant à le comprendre, vivant sans honneur et mourant en paix. Faut que j'ajoute des voix aussi. L'épée doit être bouclier, les runes sur cette épée disent la même chose. Attends, je croyais que tu pouvais pas lire. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Gardien vaincu, musolée de Yarlanda. Tu as vu quelque chose ou... Tu as une arme ou il y a quelqu'un qui me l'a donné? Ah, c'est ça.
24, 29. Oh, ça c'est mieux. Ok, là je comprends ça par rapport. Ok, ça c'est ma hache que j'ai déjà. Et là, s'il y a là, je peux monter en haut, mais en haut, il n'y avait rien, me semble. Ici, il faut que je descende, j'ai pas la clé. Ici, j'ai pas la clé non plus. Là, j'ai sûrement pas la clé non plus. Ben là, pour voir ce qui se passe. Je n'ai pas le passe-partout. Donc. J'ai pas le passe-partout. Si je vais là, c'est juste pour faire des... en bas normal, j'imagine. Cristal magique très rare. Ouch. Ok.
Quand tu bloques, ça les assomme. Là. Faut le timing est bon. Ok, tu peux avoir de l'argent de plus. Une habit de cuir. Thank you.